Bon, désolé, je suis obligée de mettre le flash. Genre, parce qu'en fait, j'ai enlevé toutes les lumières. Les lustres ne me plaisaient pas du tout. Bon, on va aller chez Yasuo. Je pense que je vais mettre cet ensemble-là. Ouais, je suis en mode gamine de fou en ce moment. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Je m'en tape. Mais le tout petit hic, c'est que là, je vois le haut, mais par contre, je ne vois pas le bas. Alors que j'ai pris le bas, comme là il y a le haut, il n'y a pas le bas. Je sais pas où est-ce que Baby m'a foutu ça. Ok, on va aller voir dans l'autre chambre. Vous venez avec moi. No light. Oh là, de toute façon, il vaut mieux éteindre la lumière, vu ma gueule à cette heure-ci. On éteint. Mes beautés, je vous jure, aujourd'hui la journée m'a fait très rire. Par contre, il n'y a pas mon bas pour de vrai, en fait. Yes, it's okay, I have it. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, je pense que je vais mettre le beige. Je sais que je t'obsède. En plus, le beige, c'est un bas très large. Le problème, c'est que j'ai pris ma taille et j'ai pris plus grand pour être beaucoup à l'aise. Sauf que le problème, les meufs, c'est que je crois que je suis un peu trop à l'aise. Le truc, il tombe. Donc, attendez, je vais mettre le bas. Je vais vous dire ça tout de suite. Tac. En espérant. Non, ça va. C'est très large, mais j'aime bien. Ça tient, ça ne tombe pas. C'est le principal. Hop. Je vais mettre le haut et je vais faire quelque chose à ma gueule parce que ça va pas du tout. Soit je me démaquille complètement pour aller chez Yasmina parce que c'est ma meilleure pote et que tranquille. Et que même en fait, j'assume partout ma gueule sans maquillage. Et que des fois, ça fait du bien fin de journée. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais retaper un peu mes cheveux. Non mais dis-moi ma vie, s'il te plaît, que t'as réussi. T'as pris les courses et tout. J'ai une merde de mal. Le congelé, il a décongelé là. Oh non. Bébé, par contre, ma tête, ça va pas du tout. On en parle? Je suis déçue de ma tête là. Faut que je tape mon brushing. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'appelle. Yes! Elle t'a dit, viens là tout de suite là. T'as dit quoi? What? Your face, eh? This one. You have too much in the fridge? Because what is that, huh? That is a. Non, trop. That's. Oh! Ah ouais. Qu'en fait, j'ai une famille qui congèle tout. Qui congèle vraiment tout. Les feuilles de briques. Les feuilles de briques. Mais s'il vous plaît, les filles, vous faites ça vous aussi? Genre, c'est des feuilles de briques. Bébé, j'en fais quoi de ça? Des feuilles de briques congelées. Ouais, mais je crois que c'est celles qui sont faites à la main. Ouais, mais moi, je cuisine pas avec ça. Il sait même pas quoi dire. Il sait même. Non, mais sérieusement. Eh, moi, je vous comprends pas, les gens qui congèlent tout, vraiment tout. Parce que moi, j'ai un frère et j'ai une famille qui congèle tout. Parce qu'en fait, ils achètent. En fait, on sait pas dire stop quand on achète. À croire qu'on a une fratrie, on a un peuple derrière nous qui mange à la maison. Et on se retrouve avec des trucs comme ça. Mais je vais en faire quoi, moi? Sérieusement, les filles. Je sais pas. Allez, go, 1, 2. Nouveau, ensemble, franchement, beau gosse, t'as capé et très à l'aise. Wouh! En fait, ça, c'est une partie de nous qu'on vous montre jamais et puis voilà. Mais c'est normal, c'est branché, t'es sérieux? Mais prends des choses. Hein? Prends des choses. Mais parce que c'est branché, ma vie. Mais qui c'est qui l'a allumé? Mais c'est débile, elle veut faire des œufs dedans. Ah. Parce qu'en fait, la nouvelle machine que j'ai achetée, elle est trop bien. Ouais, mais c'est pas assez chaud. Non, elle est trop bien. En fait, tu choisis. Genre, tu allumes. Ouais. It's open, Debbie? Non, it's closed. Ah, non, mais appuie là-bas. Bah, si, il est chaud alors que c'est éteint. Ah, elle a essayé. Ah. Tu vois, t'allumes. You can make chicken, you can make sandwich, sausage, and meat, and... comment, fish? Fish. Tu vois, tac. Non, franchement, ça tue.
Genre là, ça dit combien c'est cuit et tout. Regardez, là, vous faites des petits plats. Parce qu'en fait, j'ai pas de gazinière. Là, la gazinière, elle c'est mort. Elle est en gaz et en fait... Ça va. Ah ouais, là, c'est un gamin. C'est tellement rapide avec ce sèche-cheveux, c'est juste incroyable. Earl ici, ça vous abîme pas le cheveu, ça vous fait des brushings en moins de deux. Vous avez vu mes comment ils étaient. Là, je vais juste retaper là parce que j'ai mal fait cette mèche. Mais vraiment, elle est juste incroyable. Cette brosse incroyable. Donc voilà comment je fais mes cheveux tout le temps en moins de 10 minutes. Des brushings brillants, ça n'abîme pas vos cheveux, ça laisse vos cheveux impeccables. Donc là, il n'y a pas de filtre, sans fourche, sans rien. J'aime trop. Et des brushings comme chez le coiffeur avec du mouvement, du volume. Les filles, juste pour vous rappeler quelque chose, pour toutes celles qui la veulent, le code promo est toujours disponible. Je vais vous le remettre juste en dessous, mais juste une marque impeccable. Un brushing tout doux, tout lisse. J'aime trop. Vraiment. C'est un peu spécial, mais j'aime bien. C'est cool. En plus, elle est douce, il fait froid. J'aime beaucoup. Regardez, Clariel Couleur. Bon, le sac, il va pas du tout avec. Mais en vrai, ça passe avec la tenue, avec les boutons un peu jaunes. Mais le sac, j'avais la flemme de changer de sac. Flemme de ouf. Mais je trouve que ça passe. Jour. On peut y aller ? Yalla, habib, let's go. On dirait qu'il est ouf. Je snap dans le nord, on comprend plus rien, mais stop. Sinon, tu fermes pas la porte à clé ? Non, t'inquiète. Ok. De quoi ? Il n'y a pas de poignée, espèce de... Il y a quoi ? Il n'y a pas de poignée sur la porte. Pourquoi tu vas fermer la clé ? De toute façon, oui, il y a des billes. Bah ouais. Donc du coup, c'est qui le con ? C'est toi ou c'est moi ? Mais personne t'a demandé d'être con ou d'être pas con. Réponse A, moi con. Réponse B, c'est pas la clé. Mais vous savez, Mehdi, je vais l'appeler comment ? La coffreuse. Coffre tout. Bon, après c'est bien parce que en fait il coffre tellement que je pense que genre j'ai oublié un truc où il n'y a pas et il me fait tadam, je l'ai caché toute sa vie. Sa passion faire ça, je l'appelle la coffreuse. Que il coffre. Que il coffre les trucs. Et en plus le pire c'est que j'en suis sûre il a coffré des trucs, il s'en rappelle même.
ça va, c'est bon. De toute façon, t'as le contact pour ouvrir. Allez, on y va là. On y va de quoi? Allez. Il a serré l'autre voiture. Je suis complètement bloqué là. C'est trop. C'est bon, j'ai maigri, mais pas à ce point-là. Hein. À chaque fois, il me colle à la voiture de droite. Ouais, comme ça, lui, son petit corps là, il descend tranquille. Qu'est-ce que je l'aime, mon petit corps. Eh, je vous jure, c'est une arnaque. Ce tapis, il me saoule. Hein. Va falloir l'enlever. Voilà. Pourquoi il y a un chauffage là? Il n'y a pas de chauffage. C'est depuis tout à l'heure qu'elle tourne la voiture. Elle est chaude. Oh là 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 là. C'est la réponse. Il fait froid, mais pas à ce point là. Il fait 40 degrés dans la voiture. On dit à tes souhaits, on fait pas la même bruit pour rien. Oh là là. Leggings, basket, petit sac à bandoulière au calme. Les beautés, donc là, moi, c'est parti à la direction chez le coiffeur. Je vais aller voir Jaja, bien sûr, pour qu'il me conseille, mais j'ai envie d'un changement.
Est-ce que je fais une grosse connerie? Je sais pas. Je vais voir, de toute façon, je vais faire ce qui abîme le moins mes cheveux. Et là, mon frère va voir cette story. Bilal, il va m'envoyer automatiquement un message. Mais je vais pas faire de blond, je vous rassure. Mais un petit changement. Par contre, je suis dans la période des filles et je vous jure complètement que j'aime pas ma tête. T'as des périodes comme ça, en fait. Mais j'en suis sûre qu'à vous aussi, ça doit vous arriver. Il y a des périodes où ta tête, tu peux plus te la voir. Genre, no way. Genre, tu vois un miroir, oh, je suis trop moche aujourd'hui. Et bien là, je suis dans cette période psychologique-là. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai besoin de changement. Mes cheveux, en plus, ils ont bien poussé, ils sont bien réparés. Faut pas que je fasse trop la folle. Mais je vais faire un petit truc mignon. Je ne mettrai pas d'extension, puisque j'ai décidé d'arrêter. Mais je sais pas. De toute façon, je vais savoir que en ayant certaines réponses à mes questions, dans le sens où, est-ce que ça va abîmer mes cheveux? Est-ce que je vais devoir les couper? Et si c'est ça, c'est no way, je vais juste taper un brushing et me barrer, en fait. Bon, direction la direction. J'espère que ça va pouvoir le faire, les meufs. Hein. Parce que je vous jure que j'ai trop envie de le faire, moi. Mais vraiment, genre, j'ai envie d'éclaircir. Enfin, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai un peu une petite idée en tête. Et j'attends de vous montrer la surprise. Si elle se fait. Parce que là, en gros, Jaja m'a dit, viens au salon, viens voir, on va voir sur place. Parce que vraiment, j'ai pas envie de fragiliser mes cheveux en sachant que j'ai les cheveux super fins. Et que si on s'amuse à trop faire de déco, déjà rien qu'une déco, je pense que ça va les péter. Donc vraiment, je suis genre en mode gros en interrogation. Et vous pensez quoi? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce qu'il y a des coiffeuses dans mon snap qui pourraient me conseiller? Mais vraiment, j'ai envie de faire un changement de ouf, mais sans pour autant les abîmer. Chose que, entre guillemets, un peu impossible. T'es obligé de les abîmer un peu, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Donc je sais pas. Un peu stressée les filles, donc vous voyez, hein, les racines ont poussé. Bon, là j'ai les cheveux sales un peu. Même si je les lave tous les jours, je mets un sérum pour. Je mets beaucoup d'huile et tout pour les nourrir. Mais vous voyez que mes racines ont hyper avancé. J'en ai marre un peu du noir. Dans le surprise! Bon, il n'y a rien qu'à décolorer. Arrête! Parce que c'est en deux étapes, wesh! Ouais. Y'a rien qu'à décolorer. Mais Sarah, ton cheveu, il absorbe les colorations noires précédentes. Du coup, il est surchargé de dark color. Je suis dégoûtée. Donc là, on va passer à l'étape. Là, on est dark comme ça dans mes cheveux. Mais on a le même teint. Tu peux faire un peu de poudre. Je peux lire des colorations au bac avec de l'eau. Mais là, tu m'as dit, on peut plus après le message. C'est la kératine. Bon, on va essayer un autre truc. T'as fait 10 mais ans que tu fais du cheveu noir. Mais je perds espoir, alors je suis dégoûtée. Non, en fait, je peux décolorer, mais ça m'aurait abîmé les cheveux de ouf. Pourquoi tu mets pas une lisse? Non. C'est moche ici, ça tient pas. Non, tout sur demi. Moi. Non. Ça y est, tu veux mettre des perruques, tu te fous ma gueule? Ok, je suis encore dans une phase d'éclaircissement, mais ça a déjà, c'est déjà un peu plus clair. Donc moi, les filles, je vous mettrai une petite vidéo TikTok pour celle qui veut savoir ce que j'ai fait, parce que j'ai pas fait de déco, ça abîme beaucoup trop les cheveux. Et c'est pas terminé, là je vais vite faire un petit rendez-vous et je vais voir si on peut vite fait les éclaircir un peu plus, parce que je veux beaucoup plus clair.